2021, mois de septembre, nous sommes le 1er septembre. Un convoi de commerçants sécurisé par les Nations Unies, MONUSCO et le FARDC roule paisiblement sur la RN4. Arrivé à près de 50 km, massacre, le crépitement de balles, les soi-disant ADF ou Codeco attaquent le convoi. La MONUSCO prend fuite, le FARDC prend fuite, bilan 14 morts, des véhicules brûlés, des camions brûlés. Une heure après, le FARDC vient constater le drame et la désolation. Vous avez suivi la nouvelle. Hier, le 4 septembre, toujours dans le même contrée, le ADF attaque et tue 13 morts. Ça, nous sommes à l'Ituri. Nous remontons vers Beni, où l'insécurité est grandissante. Nous allons à Boutembo, n'en parlons pas, c'est une... La population, la paisible population de Boutembo vit dans une stupeur où on annonce l'ennemi dans Boutembo. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les deux jours. Septembre, un mois que nous avions commencé avec désolation de mort, état de siège, on n'en parle plus. Kinshasa n'a plus des solutions pour résoudre ce problème. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état des sièges, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons encore une fois de plus relancer les émissions que nous avions commencées sur l'état des sièges et parler de l'Est. Donc, gardez-vous de tout ce qui s'est passé. Vous aviez été informés. Il y a eu des choses qui se sont dues, il y a eu des choses qui se passent qui font que nous puissions perdre cet espoir de voir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, nous allons poursuivre ce que nous avions commencé. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais remercier les gens qui nous ont appelés pendant toute cette semaine parce que nous étions absents et que beaucoup de gens peut-être n'ont pas suivi notre dernière émission où nous avions dit que nous allions partir pour quelques 3 ou 4 jours où les devoirs nous appelaient ailleurs. Nous sommes de retour et nous allons continuer ce que nous avions commencé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, suivons d'abord, comme d'habitude, le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Ituri, une dizaine de morts dans une nouvelle attaque sanglante à les ADF. Et puis, embuscade des ADF, des journées de deuil décrétées par les chauffeurs de Boutembo. Va sur actualité.cd.
il faut environ 242 millions de dollars pour organiser le recensement de la population. L'opération durera d'une année. Depuis état de siège, au moins 14 morts dans une nouvelle attaque près de Samboko. On va sur Congo profond. Les anecdotes de la faculté de médecine de l'UNIKIN. Le jour où le destin du professeur Gustave Kandikandi a basculé par Tandouangou, voisine Daniel Pouilou, lancement de la première pierre de la construction de l'EP Badinga à Zinda. On va sur 7 sur 7. Mobilisation de recettes, 445 millions de dollars collectés en août, un taux de réalisation de 129%. Ça, c'est le ministre de Finances qui parle. Et puis, exploitation illicite des mines au site Kivu. Sam Malokonde invite les ministres de l'Intérieur, de la Justice et le ministre de Mines à suivre le près cette situation. On termine par Radio Okapi. Kinshasa, des organisations lancent les consultations sur la taxe RAM. Et puis, pollution de la rivière Kasaï, un député plaide pour l'assistance du gouvernement central. Merci, on se retrouve demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité est très, très abondante. Donc, lorsque nous avions quitté, il y avait justement, c'était le mercredi et puis le vendredi, il y avait l'événement de l'Ituri où il y a eu à peu près une affaire de 14 morts et puis des véhicules brûlés. On va en parler dans cette émission. La situation à l'est, au nord Kivu, au sud Kivu plutôt, où vous aviez aussi suivi comme moi le journaliste africain de RFI, Alain Foucault, qui a fait un reportage qui a encore réanimer cette hargne de haine dans nous, de savoir que notre pays n'est pas dirigé, il y a des coins où il y a des choses que nous allons en parler. Et je crois aussi hier, quand je suis rentré à Johannesburg en essayant un peu d'aller sur mes messages, je tombe sur encore un autre documentaire fait par notre confrère, jeune frère, Christian Bossembe sur le larme du Katanga. Je me dis, nous allons en parler dans cette émission. Et puis, si nous avons le temps, nous parlerons de Jules Alinghetti et puis de Lee de Guy Luando. Sinon, nous allons parler de Jules Alinghetti et Guy Luando, nous pourrons parler de ça demain. Mais aujourd'hui, nous allons consacrer vraiment notre temps à cet état de siège et puis à ces deux documentaires qui ont essayer encore un peu de nous révéler certaines histoires. On va se poser la question et puis moi je vais vous donner ce que moi je pense. Comme toujours dans cette émission, nous ne parlons pas tout simplement et parler, mais nous amenons certaines des solutions que nous pensons que si elles sont appliquées, nous pouvons sortir de ce marasme dans lequel le pays est trempé aujourd'hui. Alors, on va commencer par le premier sujet qui est celui de cet état de siège. Bandeko, ezalaki désolation. Posons-nous la question d'abord parce que on a donné l'état de siège aux militaires afin qu'ils puissent gouverner ces territoires on a mis balai. Donc, nous avons des militaires qui sont à la tête de nos deux provinces là. Mais bandeko eza somo batu, c'est comme si l'armée ne poursuit pas sa mission de sécuriser les gens. Boyemi ke monguna za na zamba bino mokozela monguna na bozela monguna na mboka olie ke boke ndeko luka monguna place azali bozozela monguna frapper et puis bune boya kota. C'est pour cela que je vous dis, regardez un peu ces images où ba militaire bazoya ko constater que non, babeta qui a. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Bah, il y a des gens qui ont rétabli la sécurité. En rétablissant la sécurité, ce n'est pas que non, bon vanda, bon gouverner, si quoi, ce qui babeti a. Vous devez prévenir. Je crois que c'est ça l'erreur qui est en train de se faire constater, que même la population se demande la question de savoir est-ce que Monguna Zana Katia y a une population si quoi tant que Bazako Bomabiso Nazamba ne bo kende kolobano
token de côté la place ni babeti. Vous allez vous vanter avec beaucoup de faire des scènes à et puis le comble que les Congolais supportent. Je ne condamne pas la population en disant que non, ma pinga na biso partout à Kinshasa, on dit que non, le FARDC vont faire quelque chose. Pendant que nous savons que ce sont ces FARDC là qui tuent. Bandeko, ba témoignage, il y a événement, il y a il y a le premier. Et ça là qui, c'est trop poignant. Et puis il y a même des vidéos à Batou, au Bazaki Nakati, à Mitoukana, Tango, Banane, on est bandit. Qu'est-ce qui se passait exactement? Bah, convoi, pourquoi vous allez faire des convois? Pourquoi? Vous êtes censé à dire que non, bon, ok, si tu sali clean up, awa, ma problème est ça, tes zamba, de gauche à droite, donc, région, oh, puis surtout aussi ton cadrier, en gros, Monguna, Azana, Katite, vous pouvez passer. Ce n'est pas que Bozokende, Tala, non, ceux qui Monguna, les Kiawa, pourquoi convoyer? Les gens ne se sentent plus dans leur territoire, liberté, à Koloba, Kenon, Akio, Kolongwa, Boutembo, Nazokende, Nani, Isiro, exacté. Liberté, on les a insultés parce qu'on ne sait pas. Tu es mis à ton bandit, Nzela, mais tu es mis à ceux qui te recommandent. Parce que Nzela, même avec la MONUSCO, même le FARDC, ils ont sécurisante. La même chose, autoza koyoka awa sikoba makamunenge za ko salema, déjà na Bounia, na disons na Butembo, que Monguna s'y accotit déjà. Il n'est que question d'elle que Monguna banda ko frappé. Bazako vanda nanu. La sécurité na ba mnaye na biso ba yebi likambo bien. Mais ba yebi te place ni na ngo Monguna zali, il ne s'en soucie pas. Tango Monguna ko boma, nde bango ba okende ko constater que non Monguna boma ki awa. Mais Moussala ya FARDC le loza ko luka Monguna te. Le FARDC ne cherche plus le Monguna, non. Bazo luka Monguna te. Ma ke, FARDC ha itafuta ke tena adoui. Adoui amuyue, on nous a jamais dit Adoui ni nani. On n'a jamais spécifié que voici le ADF et là où il habite. On n'a jamais situé ce ADF là. Même ceux qui font ADF en wazana katia batu. Mais vous avez les renseignements. Il n'y a jamais eu un tactique moko kolobakeno. Toko sala boe poto desele poto yeba network ya banguna obazali. Les témoignages vous disent que non, batuana bayaka ebele. Par exemple, oba beta ki le premier hour. Bazala ki ebele na ba na na ba. Donc c'est toute une vie. Eko ki ko sala village mon bimba. Mais comment boko yeba ke village oyo ne ba ADF bazali? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Ba village oyo, batu baza ko bima, batu msusu bazo ya kokota. Faire des séquences à Koloba, que non, bateau, basa, ma villageois, à Ao. Bakozo, ma villageois, on a malomité, bateau, basa qui va rescaper. Peut-être que ce sont eux, ne bateau, na babeta qui va tout souswana. Nani, on va koye, basso qui renseignement militaire, et ça, qu'on salate. Nous avons constaté que renseignement militaire, nabiso, et ça, quasiment inexistant, à côté à Est. Et tout ça, c'est à mettre à crédit, nanani. Et ça crédit à commettre la basse. Dans la basse, à charge à sécurité. Le FARDC a échoué. Ça, il faut que nous puissions nous mettre d'accord que non, FARDC a échoué. Par-ci, par-là, il y a évité. Et donc, à mon côté, il y a organisé pour que le FARDC soit bon ou bien le Mindou qui nous soit sous exalité. Le gouvernement actuel doit chercher une autre solution à l'été. Et il y a Koloba Keno. Batouana, au lieu que Babanda Kovanda ou administration, non. Zongi sa administration, na katia maboko à la civile, ba soldaba kende kosala, moussalaba luka munguna place à Zali. Et c'est leur responsabilité. Et sa responsabilité na bangolelo, parce que, bazako foutama, bazako pesama ba moyen, ces moyens-là, je vous dis qu'ils sont donnés à l'ennemi du peuple. Et non à ceux qui sont obligés à combattre les ennemis. Wana. L'autre, nos FARDC n'ont jamais connu ennemi à Zawapi. Et tout, il y a des et l'autre, mon côté. Bandeko. Tout à l'heure, tous les canaux, on a et l'autre, on s'en ba vidéo, tout le monde est choqué. Oh non, tu vas ministre, tu vas kamituga, tu vas
biloko wana bandeko eyebana na ngo banda kala, ce n'est pas question d'aujourd'hui. Est-ce que ba média na biso komi a sensation? Et puis ce qui me cœur, c'est que on ne donne aucune solution. On dit non, lui dit non, bon, il a responsabilité à président de la République. C'est comme si président de la République a kouta Kinshasa a trouvé ba solution na Kamituga. Le système est là, nous la connaissons. Christian awa outi Kinshasa kena katanga kuna sola kisabatu keno awa ba entreprise et ça nous connaissons, il n'y a rien de nouveau. Vous voulez encore, qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez nous faire voir de nouveau là-bas? Et là comme ko eza yako sala wana ntoye biloko wana. Mes chers journalistes, venez peut-être nous dire que non, voici ce que nous pouvons faire pour que biloko esi là. Bamba, Makambo, classe de la Bré, tout ça. Moi, j'ai fait des enquêtes à Boutembo. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, Bokomo na back to my root, ba école na biso côté à Boutembo, côté à Nania, ya Nania, ya Issa Lekuna, Boko n'est là. Ça, c'est connu. Mais quelle est la solution que nous mettons sur table? C'est ça. Moi, je suis pour le confrère qui m'a finalement adopté à Tolobakame. Depuis qu'à la moi, j'ai demandé à ce que cette forme de république puisse être bannie. Tolongola yango, tobandela à zéro. Bon, ceux qui bolandi ba émission nangai na YouTube nangai à la chaîne Obokomo na place na lobaki. Pardon, Fati, tobandela à zéro. J'avais dit déjà que biloko esnyosweza ko salema et ko aboutir na eloko mon côté. Nous pouvons aller jusque là jusqu'à 2023 et eloko moko ko changer te parce qu'il n'y a pas, nous sommes en train de faire la même chose que les gens, les autres personnes, les autres présidents ont fait. Nous sommes en train de faire perdurer une situation qui avait déjà échoué. Donc solution à malamu pour na Congo na biso na kati ya système oyo et ko zwa makate. Et nous avions dit ça. Tulisema kai imbele. I mambo ya iko ya jana, iko ya juzi. Tulisema kai vike. I system enye tu kwa muhari. Yowezi kwa ata tunatia ako kama njo Obama na kwa njo kwa kwa president la republiki. Mui i system abiezi endeka. Inchieto hezi toka mui problem enye tu kwa mu. Nilisema kai vike. Mina sema pro solution. Ya mambo yote mukongo iko solution globale. Iko tout simplement. Il m'a guère zenye ziko zina kwa est de la République démocratique du Congo apana. Tout lissema kanini, je vais vous rappeler encore la solution qui est globale que nous pouvons appliquer. Et puis maintenant, j'ai compris que Christian Bosembe a compris aussi que non, ata to supporter Fachi, na kati ya système oyo, makambo ko simba kate, il faut aller à la base.
Nous avions dit ceci, Bandeko. Regardez ce qui se passe dans les militaires, dans le côté état de siège. Ils ont commencé à dire que non, ils vont organiser une conférence à dialogue à paix. Dialogue à paix avec qui? Qui ne veut pas la paix? Est-ce que toi et ma belligérant? Est-ce que toi et n'a pas salanine? Nous constatons qu'il y a un ennemi qui est en train de tuer les gens. Mon ennemi, est-ce que ça congolais? Est-ce que ça congolais? Nous ne les connaissons pas. Voici maintenant la solution que nous avions dit. Parce qu'il y a un, nous avions, tant ou déjà, Makambu, oh ya, peuple se souleva qui, babenga ka président, nanani na mairie ya Beni, bana babimaka na balabala. Voici la solution qui a été proposée pour l'Est. Mais moi j'avais dit que solution n'ezakaka en attendant que solution globale ya mboka ezwama. Balobaka boekuna, balobaka un monisko il faut kende. Deux, il faut cantonner les militaires. Trois, il faut créer une police de proximité en attendant que tant que biloko n'ezako salema, batuba s'organiser pour nakosa la identification. Identification ne ko permettre batu. Force oyekoya koza la remplacer FARDC. Eye banani yango za nani. Identification là, ça pouvait prendre 2-3 mois. Parce que le peuple à Boutembo, à l'Est, il est atteint le lotolobi mbongo ezalate. On va le faire comme on avait fait les élections à Katia Bastard Kuna. Les chefs de groupement, les chefs de chefferie, ils peuvent identifier leur population. Nakope sa bango siko bakat. Ça ne peut pas demander 2 millions. Et oui, qu'on s'engage à 2 millions de dollars, c'est parce que nous avons les plans et puis nous avons les études avec les experts qui nous ont dit déjà que non. Ah, ceux qui peuvent identifier Batoua Nord Kivu, ils sont à peine 6 millions d'habitants. Mais c'est les 6 millions d'habitants au bas à côté Kuna, selon Banani Banani Yasseni à Kala 2016 Kuna. Donc population on peut les identifier parce que la population il suffit tout simplement d'avoir un bon programme toko identifier na ko pesa bango ba carte d'identité. Pendant ce temps-là, force il y a Monisco nana nezo kende faire de ces cantonnés, c'était ça la solution. Mais écoutez mes chers amis, je crois que nous allons continuer émission Oyolobi parce que Makamba kolobezan mingi pour nakoper sa solution globale yambo cannabiso. Solution globale exacte que ekoutana. Non, solution globale, c'est-à-dire qui concerne la République en entièreté. C'est-à-dire Katanga, Congo central, Mobayimbongo, Équateur, partout. Nous devons nous atteler à une solution globale. C'est-à-dire que nous devons programmer Batouba Yeba que pour pouvoir Ezakoya na maboko na bango pour qu'il puisse se prendre en charge. Makambo ya kozala ka kotele guidé à partir de Kinshasa nde mutu ezako koze biloko oyo. Ezala ba makambo ka mituga kuna, ezala ba makambo eza na Katanga. Les gens sont à Katanga, les entreprises qui sont là, ils ne rendent pas compte à la population. Ils rendent compte à ceux qui les ont donné les autorisations à Kinshasa. Bah toi n'a pas besoin de ça, bah on a autorisation. Bah y'a pas ni pété à Kinshasa. Mais tant qu'on consulte, mais qu'on consulte, bah boy, on connaît la carte téléphone, bah dit, oh t'as colongola, bah menace. Comme celui qui est en train de subir le gouverneur et Anani à Sud qui voulait l'eau. Pour la fermeture, il y a mine, il y a une neuf société. Mais il y a une menace à ça. Et aujourd'hui, la menace, on se pose la question finalement, c'est comme ça que nous disons, solution il faut être globale. Tant que la population est maintenant que non, structure nous sur Mboka et comme il bon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est par là qu'on peut parler de conférences à paix. Et pas un biloko tolintozomo na batuba lingibas banda kosala. Nous devons mettre les gens devant leurs propres responsabilités.
Tu faut que tu fasses ta responsabilité dans Bango. Et ça la tête que non. On va commencer à téléguider les gens. Non. Bon ça la caca, bon ça les locaux, bon. Tout ça, c'est de la foutaise. Arrête de me la conférence de paix. Non. Il faudrait que, au niveau national, qu'on programme, qu'on dise, nous allons faire les états des liés de chaque territoire. Chaque territoire, bah, toi, bah, à la Karakati, à territoire, wana. Bah, notable, wana, bah, vanda. Bah, yé, bah, nini, ango, bah, kosal. Et puis, qu'il y ait des programmes qui se feront. Bah, biloko, nini, ango, kosal, ma, pendant cette, bah, conférence, wana, tango, kosal, ma, bah, état des liés, wana. Bah, tu faut, bah, yé, bah, nini, ango, bah, keko, lukakuna, na, bah, état des liés. C'est là où nous sommes en train de dire qu'il faut ça la bien organiser. Il faut pas tout pas sentir que non. Maintenant, c'est le pouvoir, c'est ça le changement. Et ça va m'accabler. Nous sommes comme dans le salle et magali sur la Kinshasa. Ce qui bino a ou décidé que l'oko est au salle et maté. Bino, vous allez vos kangi mouibi a ou vous juger. Et non pas que moutou abomi moutou a ou basuye a ou bah que kotika na prison na Kinshasa. Bah m'accabler ne faut ici là. C'est pour cela que nous disons. Ba conférence nationale, ba conférence banane, ba état de lieu, eko bimisa, ba solution pour na ko résoudre problème à constitution, pour na ko résoudre problème à sikaya mboka. C'est comme ça que bozoyo kanga naza koloba kanobi, quelqu'un qui peut nous faire entrer dans cette dynamique, et ça, Tshisekedi, parce que tout le monde a espoir en disant que oh, aza mwana mboka. Mais ma kambo azo sala la même chose. Comme le président Kabila. Donc, Azako pérennisé pouvoir Oyo et Simbate pendant 60 ans. Likambwako mone la batou, likambwako kanisake yende moutouako sala makamounyoso. Et c'est là où nous disons que place Azo sala erere en Rwanda. Alors, on va s'arrêter ici, mes chers amis. Merci d'abord pour tous ceux qui se sont vraiment occupés à m'appeler pendant que j'étais absent. Je vis qu'il y a eu encore beaucoup de gens qui se sont abonnés, mais continuez à le faire vraiment. Tous en a besoin d'abonnement. Wana. Partagez aussi nos émissions. Ne manquez pas de laisser des likes parce que on a like wana ne et peut s'accaper moi pour une émission d'abisso. Si vous étiez là pour la première fois, vraiment nous vous disons merci pour nous avoir choisi, merci d'avoir été jusqu'à la fin de l'émission. Please, 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 tika moi commentaire, soko lingi, tia moi like, soko lingi pe s'abonner. Ce n'est pas, on ne peut pas vous forcer, mais vous pouvez vous abonner pour que vous participez massivement nanani na conversation, na biso tout ça là, nan, tous les jours. Nous sommes là tous les jours et nous avons besoin de vos commentaires pour que nous puissions orienter nos sujets et nos discussions. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.